Bonjour Fraser, bienvenue sur Suborn. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des histoires hors du commun qui pourront vous aider. Mes frères et sœurs, des femmes ici connaissent des problèmes mystiques et des hommes. Ce que l'on entend ici, vraiment, c'est hors du commun. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à rester dans leur mariage. Ils se demandaient, mais pourquoi tout le temps, séparation et divorce, sans savoir que c'était un problème mystique. Écoutons ça. Il y avait une famille, un monsieur avec sa femme. Ils étaient déjà, ils avaient des moyens. Et puis ils vont avoir 5 enfants, dont il y aura 3 filles et 2 garçons. Et les enfants, ils ont bien grandi, hein. C'était une bonne famille. Les enfants ont fait des études à l'étranger. Ils sont rentrés. Il y a d'autres qui se sont mariés. Les 2 garçons sont dans leur foyer avec leur femme. Mais par contre, pour les filles, à chaque fois qu'elles partaient en mariage, elles finissaient toujours par revenir. La première fille, elle a eu à faire 2 ans de mariage. Puis elle est retournée chez chez les parents, la parcelle familiale. Et puis il y a eu la deuxième, celle qui vient en deuxième position aussi, c'est toujours une fille. Son mariage n'a pas tenu, elle est rentrée dans la parcelle familiale. Ensuite de suite, la troisième également. Donc, et puis la maman, je pense pas qu'une maman, elle sera contente. Elle a marié ses filles, mais les enfants ne font que revenir après dans la famille, la parcelle familiale. C'est quand même pas normal. C'est là qu'une fois, elle voudra parler avec ses amis. Elle ira voir une amie à elle, discuter autour d'un pot. Ils sont en train de discuter. Elle va poser son problème à sa copine. En tout cas, moi, je comprends pas. Les enfants ont fait des études. Ils ont fait l'étranger. Ils sont revenus. Ils ont eu des maris là-bas. Mais une fois, une année ou deux après, ça ne tient toujours pas. Les enfants finissent par revenir dans le foyer, dans la parcelle familiale. C'est là que sa copine va lui dire, bon, moi, je connais un monsieur qui peut t'aider. En tout cas, il peut t'aider à voir cette personne qui est derrière ça. Si c'est vraiment quelque chose de spirituel, il va voir qui est derrière toute cette malédiction et il pourra t'orienter sur certaines choses. Donc, du coup, la dame va appeler le monsieur, ils vont se fixer un rendez-vous pour une certaine date. La date va arriver, la maman va se rendre chez le monsieur. C'est là que le monsieur va lui dire, en tout cas, c'est quelque chose de spirituel et ça vient pas de ta famille, mais plutôt de ton mari. C'est la maman qui dit, ah, mais comment de mon mari? Moi, je comprends pas. J'ai vécu avec mon mari pendant des années, on a souffert ensemble, on a traversé des moments difficiles. Je connais très bien son parcours. En tout cas, je me demande à quel moment où mon mari a pu faire ça à nos enfants. C'est là que le monsieur va lui dire, en tout cas, moi je t'ai fait savoir de qui il s'agit. C'est à toi de questionner ton mari, d'utiliser ton intelligence. Donc c'est par là que la dame, elle va commencer à mener sa petite enquête et tout. Elle va faire asseoir son mari, elle va demander, mais monsieur mon mari, qu'est-ce qu'il y a et tout? Moi je comprends pas. Je sais pas comment tu réagis face aux problèmes des enfants. À chaque fois qu'elles partent en foyer, elles reviennent, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu trouves pas que c'est bizarre? Mais pour le papa, c'était genre, il était plus positif sur ça. Genre, c'est quelque chose qui arrive si ça n'a pas marché entre eux. Tu veux que les enfants fassent quoi? Le mariage n'est toujours pas la fin d'une vie et tout. Voilà, pour le papa, pour lui, il voyait que c'était normal. C'est là que la maman s'est quand même doutée de quelque chose. Comment ça? Toi, tes enfants, tu les maries et à chaque fois ils reviennent, tu trouves que c'est normal. Et pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, mais dis donc. C'est là que la maman, en tout cas, quelques jours après, elle va essayer d'observer le mari. Toujours rien. C'est là qu'elle va faire asseoir le mari. Elle va dire, écoute, là, moi, j'étais partie chez un consultant. On va pas se mentir. Je lui ai demandé parce que je pouvais pas quand même accepter le fait que mes enfants, ils sont là. Elles se marient et puis elles finissent par revenir dans la parcelle familiale comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Et puis déjà dans le quartier, ça en parle. En tout cas, moi, on m'a fait savoir que toi, tu es derrière ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Et elle va dire à son mari, j'étais là-bas, le monsieur m'a dit que c'était toi. Et il m'a dit, si tu n'avoues pas, tu vas mourir. Bon, c'était juste un piège. Par contre, le monsieur l'avait juste dit, comme toi, tu voulais juste savoir la vérité. Moi, je vais te dire d'aller demander ton mari. Le fait qu'elle a dit au mari que tu vas mourir, c'était juste un piège. C'est là que le mari, il aura peur, le monsieur, il aura peur et tout. Il va dire à la femme, en tout cas, laisse-moi te dire la vérité. Donc, le monsieur, à l'époque, quand ils ont eu leur première fille, la vie était quand même difficile pour eux. Déjà, en Afrique, tu sais que si tu habites encore chez tes parents et t'as enceinté,
officiellement, on te dit que t'es quand même, tu deviens responsable parce que si t'es enceinte dehors, c'est que pour toi, tu trouves que la vie, ça va. Donc le monsieur, les parents vont lui dire, en tout cas, tu dois chercher ta vie. Nous, en tout cas, on va s'occuper maintenant de l'enfant. Ta femme et toi, vous allez vous débrouiller. Donc il avait côtoyé pas mal d'amis dans le passé. Ses amis l'avaient fait rentrer dans une secte, mais sauf que on l'avait dit qu'il va commencer à s'enrichir peut-être après 3 ans. Mais la condition était que à chaque fois, quand sa femme met au monde, de récupérer, genre quand l'enfant a maintenant l'âge de 5 à 6 ans, quand l'enfant porte maintenant les sous-vêtements, là, de récupérer les sous-vêtements des enfants lavés, genre quand tu trempes ça dans l'eau même pendant un jour et l'eau la récupérer pour boire. Donc le papa, pendant tout ce temps-là, il avait des enfants avec la dame, il a fait ça avec la première fille, la deuxième fille, la troisième. C'était seulement avec des filles. Par contre, avec les garçons, ça ne marchait pas. Donc si aujourd'hui le monsieur, les enfants se marient et reviennent, c'est parce que le papa, il avait signé un contrat dans les sectes-là. Donc à chaque fois, même quand les enfants ont connu les hommes, la puberté, le papa continuait à faire ça. Comme c'était une maison là où il y avait les machines, où vous pouvez laisser les habits comme ça et tout, les enfants ne comprenaient pas, des fois leurs slips se retrouvaient dans les seaux, peut-être avec de l'eau, peut-être rincés, ils ne comprenaient pas. Alors que c'était le papa qui était en train de faire ça, il récupérait l'eau des caleçons sales là, il était en train de boire ça. Et tout pour lui, c'était comme un rituel. Donc après ça, sa fortune était en train de s'accroître et tout. Donc c'était ça ma petite histoire comme ça. Waouh, vous avez entendu ça? Ha! Waouh, vous allez écouter encore notre témoignage. C'est parti. Là, je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. L'histoire s'était passée à Douala, en 2015. J'avais ouvert un salon de coiffure et puis j'avais des apprentis. Parmi ces apprentis, il y avait une vraiment qui s'était franchement attachée à moi et tout. Et comme par malheur, elle a perdu sa maman après peut-être 2 mois qu'on s'est connus. Et on est parti pour l'accompagner au village pour l'enterrement de sa maman. Après l'enterrement, elle est venue me présenter un jeune monsieur, disant que c'était comme son père du quartier où elle vivait avant de venir dans notre secteur. Donc, je l'ai salué, on s'est présenté et tout. Elle m'a présenté, genre, c'est ma mère, c'est ma patronne. Voilà, on s'est salué et puis je suis partie. Puisqu'elle devait faire encore une semaine au village. Elle revient du village, elle me dit, ah ma, le monsieur dont je t'avais présenté la dernière fois au deuil a dit qu'il t'aimait et tout. Moi, j'ai dit non, moi, je ne veux pas me mettre avec elle non plus. J'ai des projets, j'ai des trucs à faire en fait. J'ai des trucs à faire, donc je n'ai pas besoin d'être avec un homme. Il va vouloir savoir tout ce que je fais, il va vouloir me surveiller et tout. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, elle a dit au monsieur que la femme, en tout cas ma patronne, elle n'est pas prête pour avoir une relation, machin. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Il est resté un jour comme ça, il atterrit au salon, qu'il vient nous saluer en fait. Et puis, il a embrassé un peu sa jeune fille là, mon apprenti là. Il est venu vers moi, il a tendu la main, j'ai pris, je l'ai salué. Simplement et naïvement en même temps. Et il est parti, il a appelé sa fille là après, je ne sais pas si c'était le lendemain ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je sais juste qu'elle m'avait appelé pour me demander si elle pouvait donner mon numéro à ce monsieur-là parce qu'il n'arrête pas de l'harceler et tout. Et puis elle ne pouvait pas lui donner aussi comme ça, il a fallu qu'elle me demande et tout. Elle m'a demandé, j'ai dit OK, il n'y a pas de problème, elle peut donner. Je ne sais même pas pourquoi je disais cela. C'est comme si quand j'ai salué le monsieur, c'est comme si quelque chose a changé en moi. Elle donne mon numéro. Il m'écrit, il m'appelle la même nuit qu'elle avait donné le numéro et tout. Et on a causé. Il m'a dit, après demain soir, après le travail, je vais venir te chercher avec ton apprenti là. On va aller chez moi. Comme ça, tu vas voir où j'habite et tout. J'ai dit, OK. Alors le lendemain, il est venu en soirée me chercher avec mon apprenti. Là, nous sommes partis chez lui. Il a fait 2 plats d'œufs. Il est venu servir mon plat et il a servi pour la fille, pour mon apprenti. On a mangé.
Quand j'ai fini de manger, DMG TV, je t'assure que j'ai commencé à suivre le monsieur, tout ce qu'il me disait, je faisais. C'est comme ça que j'ai commencé là. Mon salon a commencé une chute. Les problèmes ont commencé dans ma vie de gauche à droite. Le nombre de temps que j'ai fait avec ce monsieur, j'ai commencé même à vieillir. Au coup, j'étais déjà dans une relation que je ne savais pas. Pourquoi je faisais cette relation-là? Pourquoi j'étais dans cette relation? Je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est juste qu'il y avait des moments que je lui demandais que, mais qu'est-ce que je fais avec toi? Moi, je ne t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je suis avec toi et tout. Jusqu'à je n'arrêtais pas de lui dire ça. À chaque fois, il y avait des moments quand je me retrouvais que c'est comme si mon esprit était chamboulé. Donc, quand je me retrouvais un peu, j'arrêtais pas de lui dire que moi, je ne sais pas pourquoi je suis avec lui. Je ne l'aime pas. Et le monsieur, une fois, il en avait marre. Il m'a dit, j'étais charmée. J'ai dit, non, mais tu ne blagues pas parce que je pense que ça doit être ça. Il m'a dit, oui, c'est ça. C'est comme ça dans l'histoire, on tourne dans cette histoire-là. Malgré qu'il m'a dit ça ne m'a rien fait. Puisque j'étais déjà devenue un peu comme ça. J'étais devenue comme ça, chèvre, quoi. Tout ce qu'il me demandait de faire, je faisais. Je ne me contrôlais plus. Il m'appelle à 1 h du matin, je veux te voir maintenant. Je prends la moto de Coty avec tous les bandits à 1 h du matin. Je m'en fous. Je ne pense même pas que je peux me faire agresser. Rien, je suis chez lui. Il m'amène même dans son village, dans leur lieu sacré. Il me présente là-bas, dans leur lieu sacré. Il parle là-bas, il coupe les têtes de poulet. Il verse les sang, sacrifice, un genre de truc là. J'étais là, ça ne me disait rien. C'est comme si on m'avait aveuglé en même temps, je ne savais pas. Ça s'est passé dans la maison, j'avais les rêves de les maris de nuit, tout ça. Je me couche même avec lui, le cafard sort de mes fesses. Mon pied gauche a même commencé à mourir. Donc, je n'arrivais, moi qui sautais partout, partout, je n'arrivais même pas à grimper sur une moto. J'avais déjà, c'est comme si mon pied gauche mourait déjà. Et quand je dormais avec lui comme ça, que je ressens le cafard qui sort dans mes fesses, je dis que, mais pourquoi tu me fais ça? Je savais intérieurement que c'était lui qui me faisait ça, mais je ne savais pas comment faire pour me détacher de cette engrenade. Parce que j'avais compris que ma vie était complètement entre les mains de ce monsieur. Voilà alors que après ça, après le village là, tous les mauvais rêves, tout ça, j'avais à vieillir. Je rêvais toujours que j'étais assise sur une grosse chaise en or et petite à l'intérieur, vieille, avec une couronne sur la tête. J'étais devenue vieille, j'étais comme une maman de 85 ans. Ma maman, même qui est une femme très active, qui pouvait sortir, aller partout vérifier ce qui n'allait pas, elle aussi, elle était comme attachée. Quand elle me regardait, elle n'arrivait toujours pas de me dire que, et quand je te regarde, tu vois, c'est comme si tu es même déjà morte et tout. Et c'était le cas. J'avais perdu mon énergie, je n'avais plus d'énergie. Donc, c'est comme si je travaillais dans la nuit et en journée, quand je me réveillais le matin, c'est où je commençais maintenant mon sommeil, je dors normalement. Donc, je ne dormais plus la nuit. Et même en journée, à un moment donné, ça s'était arrêté, je ne dormais même plus en journée. Donc, du coup, je ne sais pas, je ne vivais plus. Quand je marchais même au goudron comme ça, si un bon camion qui a un vent qui passe là, ça pouvait m'emporter. Je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Il y a une cliente qui était venue une fois me chercher dans mon salon, puisque c'était une maman qui priait beaucoup. Elle était un peu comme ma maman spirituelle, mais je la visitais même plus. Depuis ma rencontre avec ce monsieur, j'avais coupé le pont avec tout le monde. J'étais devenue sa chose à lui. La maman. Là, elle a vu ma maman en route. Un jour, elle a demandé que, mais où est ta fille? Elle dit, non, mais elle est à la maison. Elle dit que j'ai cru qu'elle était morte parce que j'ai ressenti, j'ai fait une vision qu'elle était morte. Et ma maman, elle est venue me dire ça. Que je ne comprends pas, tes clientes, elles sont comment? Je rencontre une cliente en route. Une de tes clientes, elle me dit que elle t'a vue morte, qu'elle croyait que tu étais morte. Mais elle disait la vérité. Spirituellement, j'étais déjà partie. Même physiquement, je ne ressemblais plus à rien du tout. Donc, c'est comme ça que
J'ai une copine qui m'a dit non, mais ça fait depuis que je t'ai pas vue. Cette copine-là vivait, elle vit à Yaoundé. Pas qu'elle vivait, elle vit jusqu'à présent, elle vit toujours à Yaoundé. Elle m'a dit, mais viens, viens me visiter. Qu'est-ce que tu fais à Douala? Tu as fermé le salon de coiffure, tu ne fais plus rien. Tu fais quoi à Douala? Il faut venir pour qu'on passe même une semaine ensemble et tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais venir. Je prends le bus. Le gars me contrôlait, il connaissait tout ce que je faisais. Je prends le bus pour Akwa. J'arrive. Heureusement, j'étais pas encore. J'étais en face de Central Voyage. Il m'a retrouvé là-bas directement. Il me dit, mais tu pars où? Tu pars où? Je dis que non, mais tu n'es pas au travail. C'était un menuisier. Je dis, non, mais tu n'es pas au travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que tu pars où? Je lui dis que je veux partir voir ma grand-mère. Il dit que tu veux partir voir ta grand-mère et c'est ici que tu veux prendre le bus. Hein? C'est ici que tu prends le bus. Machin truc. Hein? Tu n'es pas papa ici. Il a voulu me brutaliser. Il a même arraché mon sac de voyage que j'avais. Les benskinés ont commencé à lui dire, mais tu agresses la femme là pourquoi? Tu l'agresses pourquoi? Hein? Ils sont venus vers lui en force. Il a eu peur. Il a pris une moto avec mon sac de voyage. Il est parti avec. Bon, j'avais mon petit sac à main où il y avait mon argent et ma carte d'identité, tout, donc je pouvais toujours voyager. Je n'ai pas laissé, je ne sais pas pourquoi. Normalement, quand il avait pris mon sac, il savait que je devais rentrer. Je suis partie prendre un bus. Je suis partie prendre le bus à Buka. Je crois bien, c'était Buka. Je suis partie sur Yaoundé. Sans sac de voyage, rien. Je ne sais même pas pourquoi je partais. Je suis arrivée à Yaoundé. Ma copine, là, elle est venue me chercher. Je descends le taxi, elle est devant moi, je l'appelle, elle se retourne, elle me regarde, elle se retourne encore pour partir. Je la rappelle, je dis que mais, ma copine, c'est moi, c'est moi. Elle me dit, elle se retourne, elle me regarde, elle me dit, non, c'est pas toi. Moi, je te vois pas, moi, j'ai vu une grand-mère, c'est pas toi que j'ai vu. C'est pas toi. Je vous assure, DMG et tes abonnés, j'avais vieilli. Franchement, moi-même, quand je me regardais au miroir, je ne me voyais pas. Ce n'était pas moi. J'avais vieilli. Chose curieuse, même le monsieur, il m'appelait par le nom de sa maman qui était morte depuis. Donc, je me suis dit que peut-être il avait mis l'esprit de sa maman en moi. Je ne sais pas. Je t'assure. Voilà que ma copine, là, elle me dit, viens, on va aller, tu te reposes juste un peu parce que tu vas reprendre le bus et rentrer. Je vais t'envoyer chez cette maman. Voilà son numéro. Et je vais t'orienter l'endroit. C'était un dimanche. Comme demain, c'est lundi, elle travaille le lundi. Tu vas partir là-bas très tôt parce qu'il y a un monde fou là-bas. Tu te mets en rente. Si tu veux être parmi les 10 premiers, tu sors vers 5 heures. Tu pars. Je suis rentrée. Ma maman, elle me voit puisque j'avais dit au revoir à ma maman et tout. Elle me dit, mais pourquoi tu es rentrée aussi tôt? Tout ça. J'ai dit à ma maman que ma copine que je partais voir m'a demandé de rentrer, qu'elle ne m'a pas vue. Elle a vu quelqu'un d'autre en moi, ce n'était pas moi. C'est où ma maman, même son esprit s'est réveillé. Elle me dit, oui, c'est ce que je te dis depuis que tu es morte, que tu vas mourir vite si tu continues avec ce monsieur-là et tout. J'étais sur son emprise, je ne savais plus ce que je faisais. On est parti très tôt le matin chez cette maman-là. J'étais parmi les 5 premières personnes. Quand on est arrivé sur moi, parce qu'elle met les bongos, je ne sais pas, c'est le quoi, quelque chose comme ça, entre tes mains pour faire sa voyance et tout. Quand elle a mis ça entre mes mains, mon corps a commencé à vibrer. Elle a dit non, mais cette femme, elle est morte. Elle est morte. Ce n'est que son corps qui est comme ça. Elle est partie depuis. Ma maman a commencé à pleurer. Je tremblais comme si on avait mis le courant sur moi. Elle a dit, mais bon, heureusement, la personne qui t'a fait venir ici, il faut savoir que elle est ton sauveur sur terre pour cette période-ci. C'est elle qui t'a fait sortir de cet endroit. Parce que moi, c'est mon domaine. Les choses mystiques, c'est ce que je soigne. Cette maman-là, elle me dit, tu vas rentrer aujourd'hui. Tu reviens demain, mais tu reviens. Elle m'a cité les choses que je devais acheter. Et puis, elle m'a dit de venir avec 21 000, ou c'était 21 000, 20 francs, ou c'était 15 francs, quelque chose comme ça. C'est une histoire de depuis 2015. Donc, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était 21 000, quelque chose comme ça, avec les francs là. Je suis venue le lendemain. Le lendemain, très tôt aussi, je suis sortie vers 5 heures toujours. Parce que je voulais aussi avoir toujours être parmi les premières personnes. Je suis sortie comme ça,
Après 30 minutes, ma fille m'appelle pour me dire que, oh, il y a telle personne qui vient d'arriver ici. Il est en train de te chercher. Il est tout furieux comme ça et tout. C'était comme ça, ce garçon. Je savais même pas que c'était lui qui était mon tueur, quoi. C'était lui qui était celui qui détruisait ma vie. Moi, je savais pas. Il est ici. Je sais pas pourquoi. Maï, j'ai dû fermer la porte. Même l'école, là, aujourd'hui, ne partez pas. Ne laissez pas entrer à la maison. Fermez la porte et vous vous couchez, vous dormez. Les enfants ont dit, OK. C'est comme ça que je rentre. Je finis mon traitement, tout, tout, tout. Elle avait mis les 1000 pâtes là, 2 œufs. Et puis certains produits là, les herbes. En tout cas, toutes ces choses étaient des trucs naturels, quoi. Elle m'a dit qu'il faut faire très attention parce que si une des choses meurt, ça veut dire que je ne pourrai pas t'aider. Parce que c'est ça, c'est la façon dont tu vas te laver qui va montrer si je pourrais te faire sortir de là ou pas. Parce que si je te lave et que soit les 1000 pâtes, un panier meurt, ou si un des œufs se casse, ça veut dire que je ne pourrai pas. C'est que ce n'est pas à mon niveau. DMG, je me lavais avec toutes les précautions du monde. Je faisais tellement attention à ce que rien ne. Donc, j'ai prié en me lavant, je bavardais sur mon corps que si c'est n'importe qui a envie de qui a envie de me tuer, que la personne parte à ma place. Je parlais les choses comme ça. Donc, je parlais, je me lavais, je parlais, je me lavais. Quand j'ai fini, Dieu merci, je suis revenue avec les œufs intacts et les 1000 pattes étaient encore vivants. Elle a dit OK. Elle m'a donné une prière que tu vas aller à 22 heures, dans la même nuit du jour que j'avais pris mon bain là. C'était, elle m'a dit, tu vas aller à 22 heures dans un carrefour, tu vas lire cette prière et ces 2 œufs, tu vas les casser. Que ça doit se casser. Parce que si les œufs là ne se cassent pas, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il y en a que quand tu finis de lire, tu tapes, ça ne se casse pas, ça saute. Donc ça doit se casser. J'ai dit, ah, je vais tout voir. J'ai dit, OK, ma, j'ai compris. Elle m'a donné aussi un remède, les herbes qu'elle avait emballées dans le papier ciment. Elle a plié ça, elle a dit que je mette ça dans mon sac, c'est pour 3 jours. En 3 jours, la personne qui me fait ça va se réaliser grâce à cette herbe-là. Donc, si je casse les œufs cette nuit et que les œufs se cassent, elle me donne 3 jours, la personne va venir se manifester, je veux connaître c'est qui. Elle dit, OK. C'est comme ça. Je rentre à la maison, je me couche cette journée-là, je dors paisiblement. J'ai dormi. Je me suis réveillée vers 21 h. Je suis montée, aller chercher le carrefour où je devrais casser faire cette prière et casser ces œufs-là. J'ai trouvé un carrefour. J'ai parlé, 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 parlé. Et j'ai cassé. J'ai parlé encore et cassé l'autre œuf. Je suis rentrée. J'ai passé la nuit tranquille. C'est la première fois que je dors encore bien profondément et que je me réveille avec toute merde, avec une forme, que je me réveille en forme. C'était la première fois, ça faisait un an et demi que j'étais avec ce garçon-là. C'est une très longue histoire, c'est juste que j'ai envie de découper ça pour que ça ne prenne pas. Parce que si je vais raconter l'histoire, l'intégralité de l'histoire, ça va prendre au moins 2 heures de temps. Donc j'ai envie de découper ça. J'ai dormi. Le sommeil que je n'avais pas dormi, ça faisait 1 an et 4 mois que j'avais fait avec ce monsieur-là. Quand la première nuit que j'ai passée, j'ai bien dormi. Deuxième nuit, deuxième journée, passé une très bonne journée. Et vers les 18, 17 h 30, 18 h, oui, c'était 18 h, le gars, il vient chez moi. Et puis je le détestais déjà, je ne savais pas pourquoi, je n'avais plus envie de le voir. Je n'avais plus envie de voir ce monsieur, je n'ai pas compris pourquoi. Quand il est venu à la maison, il me dit, je suis en train d'aller voir le chantier d'un de mes frères quelque part à côté là, je vais revenir. Et c'est comme s'il savait que je ne voulais plus le sentir. Il est parti rester dans un carrefour, pas carrefour, dans un raccourci que j'aimais prendre. Et comme c'était à 18 h au pays, à cette heure-là, c'était déjà noir. À 19 h, c'était déjà carrément sombre, quoi. Donc, quand il a dit ça, il est parti parce qu'il est resté là. Il est parti vers les 18 h 30 comme ça. Il est parti rester dans l'endroit là pour m'attendre parce qu'il savait que je devais sortir quand il allait me dire ça. Donc, je suis sortie
Puisqu'il y avait deux chemins, il y avait, où il y avait le long chemin qui avait plein de lumière et il y avait le raccourci qui était complètement dans le noir. Et j'aimais beaucoup prendre ce chemin-là, le chemin du noir, le raccourci-là. Il est parti m'attendre là-bas. Je suis arrivée sur les deux routes-là. J'ai choisi de prendre la longue route dans la lumière. Puisque je n'étais plus dans le ténèbre, j'étais assortie du ténèbre. Donc, j'ai pris la route-là. Je marchais et puis j'étais contente, quoi. J'étais toute joyeuse quand je marchais. Après, et puis quand je marchais à l'époque, là, je ne me retournais pas. Ce monsieur m'a appris une leçon. Que dans la vie, quand tu marches, tu dois te retourner de temps en temps parce que tu ne sais pas qui vient derrière toi. Il a tapé dans mon cou. Bam! Il a attrapé mon cou avec ses deux mains. Il m'a dit que même avec mes mains, je vais te tuer. J'ai dit quoi? J'ai crié et heureusement c'était la lumière, il y avait les maisons en barrière à côté et tout. J'avais mon téléphone en main, il a d'abord écrasé le téléphone que j'avais en main. Il m'a appuyé le cou, j'ai crié. Il m'a dit que le remède que tu as dans ton sac là, tu vas me donner ça. J'ai dit quoi? Comment tu sais que j'ai le remède dans mon sac? Il m'a dit que tu vas me... Il a tiré, donc il tirait comme ça là pour prendre mon sac et récupérer ça. Moi aussi, j'ai signé. Il a d'abord écrasé mon téléphone pour pouvoir prendre. Ah, j'ai crié, les gens sont sortis. Quand les gens sont sortis, il a commencé à courir. J'ai même voulu dire que c'est un bandit, c'est un bandit. Après, j'ai dit non, si je dis que c'est un bandit, on va le tuer. Et puis, ça, je vais porter sa mort pour rien. Donc, je suis restée tranquille. On m'a demandé que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien dit, mais mon cou était carrément tordu. On m'a amené, il y avait un petit centre juste à côté là-bas, on m'a amené là-bas. On m'a fait le massage, bandage et tout ça, tout ça. Je suis rentrée parce que je devais retourner chez la maman là pour faire le bain pendant 2 semaines parce que le traitement c'était pour 2 semaines. Mais je devais repartir. Juste maintenant, je devais me laver avec toutes les choses qu'il y avait dans l'eau. Ça devait être juste avec les herbes. Donc, je devais retourner me laver là-bas jeudi. Donc, le jeudi, je suis partie. Le mercredi. Non, c'était le. Le vendredi, oui, c'était le vendredi. Je suis repartie là-bas le vendredi pour prendre le bain. J'ai expliqué à la dame, elle m'a vu avec le cou attaché. Elle m'a dit que oui, ça c'est celui qui voulait te tuer. Il s'est jeté dit. Il t'a dit que tu as 3 jours pour voir qu'il devait te faire du mal. C'est lui. Mais reste calme parce que il est obligé de donner une personne. Je te donne 1 mois et demi. Tu vas voir qui va mourir en train. Dans cette famille, dans la famille de ce monsieur. Et ça sera une personne que tu étais même tellement collée à elle. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir parce que je connaissais ses soeurs, ses frères. J'étais en train de réfléchir, mais donc c'est alors quelle famille? Ça sera alors tonton tel, ça serait tata tel, ça sera alors qui? Bon, je réfléchissais en même temps, je disais que, ah, en tout cas, moi, je ne sais même pas si tout ça même c'est vrai, en tout cas. Mais c'était vrai quelque part. J'ai dit, ok. Je suis restée calme. Quand je suis rentrée, je suis restée calme. J'ai juste cherché comment faire pour avoir un autre téléphone et tout. Ah. Mais la dame m'a dit, j'allais oublier, que tu vas rêver parce qu'il va falloir que tu enterres le serpent là. J'ai dit, mais quel serpent? Elle m'a dit que tu vas lutter spirituellement jusqu'à tu vas enterrer ce serpent là avant de te libérer complètement. J'ai dit, ah, je suis finie. Lutter, elle me dit que mais tu es une femme qui prie. Et c'est vrai, grâce à Dieu, Dieu merci, je prie. Je sais qu'il y a un Dieu qui est dans ma vie, je prie. Parce que si ce n'était pas ce Dieu-là, c'est que même ma copine là ne me faisait pas venir. Parce que moi, je sais que toutes les actions même qui se passaient, c'était la grâce de Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle me dit, prie seulement comme tu pries là. Ne complique rien, prie simplement comme tu pries d'habitude. Mais dans ton rêve, sois prête parce que tu vas lutter. Ah! DMG, quand elle m'a dit ça, j'ai encore eu peur. J'ai dit, ah, je vais encore lutter comment? Non, là, merci. Je vais lutter comment? Depuis que tout ce que tu es en train de me dire que ça va se passer, ça se passe. En tout cas, c'était la période de la foi de Camtel. Et j'avais une copine qui avait pris un stand là-bas et on devait travailler ensemble. On devait faire des poissons braisés ensemble là-bas. Donc, j'ai passé la première nuit, c'était toujours les combats. Je luttais toujours parce qu'il y avait un homme qui venait toujours dans mon rêve, qui veut coucher. Je lutte jusqu'à je refuse. Ça ne se passe pas. Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit, ah, c'était le serpent. Et là,
Dans le rêve, j'ai vu que j'avais déjà creusé une tombe devant ma maison. Je t'assure, DMG. C'était comme si c'était la réalité. J'avais à creuser une tombe. C'est comme si j'attendais quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas. Après, je vois le gars atterrir directement devant moi. Il me dit que tu crois que je vais te laisser. Tu crois que je... Mais il ne pouvait pas s'approcher vers moi. Il y avait quelque chose qui le bloquait. Après, je vois un gros serpent qui se retourne, qui vient vers moi. J'avais une force brute. J'ai donné ses mains. Donc, j'ai bousculé le serpent avec toute ma force. J'ai envoyé dans le trou. Et j'ai commencé à fermer. Le gars était bloqué. Il ne pouvait pas venir vers moi. Ha! J'ai enterré tout ça. Je rêvais ça comme ça. Étant à la foire de Camtel là. C'était vers 2h30 comme ça là. Ça s'était abaissé là. Le jour là même, je me rappelle que le jour là, Petit Pays était venu chanter là-bas. J'étais tellement fatiguée. Je me suis couchée pour dormir un peu. C'est comme ça que je rêvais. Bête! Et c'était à l'heure même que Petit Pays était là. Ha! DMG! Il y a des choses de mystiques ici dehors, je t'assure. Les histoires qu'on te raconte dans sur ton plateforme là, c'est les trucs vrais. Ce sont des choses qui se passent réellement. J'ai enterré le serpent là. J'ai dit, hey, je me suis levée, j'étais contente, je disais que j'ai gagné. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es puissant. Je criais, oh Seigneur, merci. Merci pour la victoire. J'étais contente. Je rendais grâce à Dieu. Ma copine là même me posait la question, pourquoi tu es contente comme ça? Elle dit que j'ai gagné la bataille. J'ai gagné. Elle ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Je suis repartie vers la maman là. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé et tout. Quand je devais encore prendre mon bain parce que j'avais 2 semaines de traitement là-bas. Elle m'a dit que je t'ai dit c'est fini. Maintenant, attends-toi seulement. Continue seulement à faire ta prière simplement comme tu as l'habitude de faire. Attends maintenant. Attends seulement la nouvelle parce que ça va venir. DMG, je suis restée comme ça là à la maison. Il était, je partais même déjà me coucher, il était minuit 5. Mon apprenti qui m'avait présenté au deuil de sa maman là m'appelle. Elle me dit que, est-ce que tu sais que tata telle est morte? C'était la grande soeur directe du gars là et il adorait sa soeur là. J'ai pleuré DMG, j'ai dit que yé, donc l'histoire si est vraie. Donc je devais mourir comme ça sérieux. Pour rien, j'ai pleuré. Et après même tout le traitement de la femme là, je suis rentrée. Toute la vieillesse qu'il y avait sur moi est tombée. Toutes les choses, mon corps qui était froissé comme pour une grand-mère. Ma poitrine était froissée comme pour une grand-mère d'au moins 85, 90 ans. Mes mains étaient froissées, vieilles. Tout ça est tombé. Tout ça, je te manque pas que je me tenais au miroir comme ça. Je dis que non, ça là, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais pourquoi on voulait me faire du mal? Donc la nuit, là, la fille m'a appelé pour me dire, j'ai pleuré des MG. Ma maman est sortie, que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé sur les enfants? Elle dit que non, c'est telle personne qui est morte. Et elle connaissait aussi cette personne-là. Elle-même, elle a commencé à pleurer en disant que donc c'est comme ça que ma fille allait mourir gratuitement comme ça sur mes yeux. Elle-même, elle a pleuré. On a pleuré. C'était pas le deuil de cette maman-là qu'on pleurait. Je pleurais comme ça la victoire. Je rendais grâce à Dieu. Je pleurais de joie. Donc, c'était un peu ça mon histoire des MG. Waouh! Nous m'avons dit ça? Incroyable! Waouh! Vous nous allez écouter encore le témoignage? C'est parti. J'ai une histoire à raconter. C'est une histoire qui s'est passée récemment au Gabon. Donc, je vais taire la ville, je vais taire aussi les noms des concernants en fait. C'est une jeune fille, une jeune dame qui était dans un foyer au niveau de la capitale. Et c'est comme ça que son mari décède. Comme la coutume voudrait, on demande de faire à cette fille des rituels pour que l'esprit de son mari la laisse. Laisse les enfants, c'est comme ça. On dit à cette fille de ne plus coucher avec un même homme. En fait, c'est qu'elle doit sortir avec un seul homme et le laisser. C'est comme ça. La jeune fille revient dans sa ville natale, dans sa ville, la vie de ses parents. Elle revient dans sa ville. Et comme ça, comme elle avait des formes bien bêtes, claires, bien des femmes guitares là, c'est comme ça, un monsieur qui travaille dans une société de la place
fait comprendre à ses collègues que oh, la fille elle est bonne à damer, je veux coucher cette fille-là, mon Dieu, elle a trop le malin, quand elle passe, elle est bonne, elle m'excite, machin, tout, tout. C'est comme ça. Le monsieur se vantait aussi auprès de la fille que toi là, si je t'attrape, je veux te faire du mal, je veux te faire mal, je suis puissant, j'ai ça, on m'a donné ça à la naissance et tout et tout. La fille est en train de sourire. Que monsieur là, quand il se vante comme ça, c'est pour dire que quoi, machin, tout et tout. Elle a dit, ok, comme tu veux coucher avec moi, il n'y a plus de problème. C'est comme ça, un soir, ils sont partis, ils ont couché ensemble. C'est comme ça le monsieur se vante auprès de ses collègues. C'est comme ça il y a un autre collègue aussi qui est avec le monsieur qui a couché la jeune fille. Comme pour dire que oh, la fille elle est bonne, hein? C'est une fille que j'ai vraiment envie, elle est calme, machin. L'autre dit ah, laisse-moi ça, j'ai fini de coucher ça, machin, tout. C'est quoi même, on découvre même quoi là, il n'y a rien dedans, j'ai baisé ça tout. Ah, excusez-moi de l'expression. J'ai couché ça, machin, tout, j'ai terminé avec et tout, voilà ce qu'elle m'a fait, j'ai fait tel genre de bord, j'ai eu même à prendre des vidéos. C'est comme ça, lorsque il parlait comme ça, il y avait aussi un des collègues qui connaissait l'histoire de la fille, qui connaissait pourquoi elle l'avait fait. C'est comme ça, le collègue lui dit, mais je ne pense pas que tu dois te vanter parce que cette fille vient à peine de perdre son mari. Donc, si elle a couché avec toi une seule fois, elle ne reviendra plus jamais. Essaye d'abord de l'appeler, demander de venir chez toi que tu veux faire l'amour avec elle, si elle va revenir. Donc, il a tenté des semaines, des mois. Elle n'a pas cédé. C'est comme ça, il a su la vérité que si la fille était sortie avec lui, c'est parce qu'elle voulait donner la malchance de son veuvage. Comme pour dire à certains hommes que vous, au jour d'aujourd'hui, vous êtes bouchard en fait. Vous faites des choses qu'on ne comprend plus en fait. Avant, on disait que l'homme n'est pas comme la femme. Aujourd'hui, vous êtes plus que la femme même. Tu as couché une personne. Tu veux coucher une personne, tu fais de ça. Si il était venu calmement pour dire à la fille, ah, je veux de toi, je veux faire du sérieux avec toi. Sûrement la fille aurait dit que, ah, papa, si j'ai mes problèmes. Mais non, c'est pas le cas. Il a eu à raconter tout ce qu'il a eu à raconter. Donc, pour se venger, pour dire que comme toi, là, tu aimes les femmes, là, viens me faire. Donc, c'est un peu ça, mon histoire que je voulais raconter. Hey, on ne couche pas avec une fille qui a des problèmes. Mes frères, faites attention. Bien, nous allons écouter encore le témoignage, c'est parti. Une fois de plus. Alors, ceci m'est arrivé il y a environ 2 mois. Mais avant, je vais un peu vous raconter la genèse de cette histoire. Je vivais dans un quartier de Douala, plus précisément à Ndobo, à l'époque. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré un voisin. Et je papotais avec lui, parfois il m'a amené au travail parce que lui était véhiculé. Et du coup, lui et moi, on était dans le même secteur d'activité, ce qui faisait qu'on échangeait énormément. Il passait parfois à la maison, parfois je passais chez lui. Et un jour, je suis tombée malade. Donc, et il est passé me voir. Et en lot de consolation, il me dit, il faut beaucoup prier. Il me donne des conseils et autres. Il me dit, il faut beaucoup méditer, ça va aller, Dieu est grand et tout et tout. Et tout. Après, il me dit, il faut prier également l'ange Michel parce qu'il me donne un passage biblique et un contexte que je ne connaissais pas. Il me dit, quand... Les enfants d'Israël, bien les enfants de Dieu, avaient crié au ciel pour dire que depuis ils prient, mais leur prière, c'est comme si elles ne sont pas entendues. Et puis Dieu a ordonné donc à l'ange d'ouvrir le ciel pour que les prières puissent monter. Il m'a donné le passage biblique, mais je n'ai pas eu la curiosité à l'instant T d'aller regarder. Donc du coup, j'ai écouté, mais tout simplement écouté. Après ça, je me sentais mieux, c'était une maladie passagère. J'ai même quitté le quartier, je suis allée m'installer dans un autre quartier. Tout allait bien. Après, j'ai eu des idées de projets
Ouais, il y a eu des idées de projet pour cette année. Et je me suis donc mise à prier. Je me suis rappelée qu'il m'avait conseillé de prier l'ange. Donc, du coup, comme moi j'ai une foi, je me dis que ma foi elle est tellement grande. Je ne sais pas si elle est grande, je ne sais pas du tout, mais j'ai déjà expérimenté. Ma vie, c'est un témoignage de la bonté de Dieu et de son fils Jésus. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des recherches d'abord pour connaître les différents types d'anges. On retrouve tout à Internet. Alors, il y a des anges même que je ne savais même pas que de ma vie j'allais connaître. C'est tellement détaillé dans Google. J'ai eu le temps de lire, de lire, de lire. Je lisais même, mais je ne comprenais même pas ce que je lisais. Mais je lisais quand même. Et puis, je suis tombée sur cet ange qui était, qui, de par la définition de Google, c'est un ange bienveillant. Et j'ai regardé, j'ai tapé également des références de la Bible. Du coup, je retrouvais son nom qui apparaissait toujours et en temps bienveillant. J'ai trouvé intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, du coup, j'ai commencé à l'intégrer dans ma prière du matin comme du soir. Et comme j'avais tellement envie que mes projets marchent, du coup, je faisais la prière de minuit, de 3 h et de 6 h. Je priais à ces trois moments de la journée, en fait. Un soir, il était à minuit, je me suis réveillée pour faire ma prière. J'avais mis mon téléphone sur réveil. Je me suis levée pour faire ma prière habituelle. Et avant de faire cette prière habituelle, j'avais l'habitude, comme je l'intégrais, je prononçais son nom 3 fois. Je demandais sa présence. Je lui demandais qu'il puisse m'aider à ce que mes prières soient entendues, qu'il amène mes prières auprès de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'elles soient exaucées. Ça, vous ne vous attendiez pas à ce genre d'histoire. Non, mais c'est une dinguerie. Alors, dans la prière, je le disais tout le temps, je le disais tout le temps. Mais il y a de cela 2 mois, 2 mois, 1 mois. Franchement, c'est récent, hein. J'étais en train de prier chez moi. J'ai un studio, c'est fermé hermétiquement partout. C'est tellement fermé qu'il fait même chaud à l'intérieur. La porte est fermée de tous les côtés, les volets fermés, puisqu'il était le soir, je ferme partout. J'étais en train de prier. Et au moment où j'ai prononcé, puisque je prononçais son nom 3 fois, au moment où j'ai prononcé la première fois, tout allait bien. La deuxième fois, tout allait bien. Quand j'ai prononcé la troisième fois, c'est comme si toutes les ouvertures de ma maison, toutes les ouvertures, je ne sais pas, se sont arrachées ou je ne sais pas trop. Et j'ai ressenti un vent violent qui est entré dans la pièce et en même temps sur moi. Et ça s'est passé en une fraction de seconde. Mon cœur est quitté en place et c'est tombé au niveau du ventre. Vous comprenez un peu quand quelqu'un a peur. C'est déjà de peur que t'as pas eu le temps de capter le truc parce qu'il y a les peurs où tu ressens, tu ressens, tu ressens. Tu as peur, mais elle est nourrie au fur et à mesure. Non, ça fait tout. J'ai ressenti, la peur était énorme. Donc, j'ai ressenti une présence chez moi. J'avais flippé. Au moment-là, puisque la plupart du temps, je prie à haute voix. Donc, je ne prie pas à haute voix du genre, les voisins peuvent m'entendre. Je prie, je m'entends prier. Je parle quand je prie. Parce que moi, je me dis toujours, la Bible dit, Dieu a parlé pour créer le monde. Et la Bible dit aussi, ce qui sort de la bouche, ce qui entre de la bouche est moins dangereux que ce qui en sort. Donc, la parole, elle est puissante. Donc, du coup, mes prières, c'est en parlant. Donc, du coup, je parlais, je priais en parlant. Mais pas haute voix, pas en criant, mais je parlais. Et quand j'ai eu cette peur là, ce vent qui m'a frappé, j'ai ressenti une présence chez moi.
J'ai arrêté ma prière et j'ai continué dans le cœur. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et puis j'ai commencé à prier et puis j'ai dit Amen. Parce que c'était trop fort pour moi. Quand je me suis levée, je suis directement montée sur mon lit. Et la position que j'ai prise là, c'était jusqu'au matin. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus invoqué l'ange. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là. Je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que avant de faire quelque chose, il faut vraiment se demander si on est prêt à voir ce qu'on demande. Voilà, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Wow! Toutes ces histoires, tous ces témoignages sont hors du commun. Vous devez partager cette vidéo à vos amis, ça les aidera aussi. Incroyable, mes frères. Waouh! Abonnez-vous, likez, partagez.